Bonjour, on se présente, Charles et Tommy, deux étudiants en dernière session de sciences nature au Centre d'études collégiales en Charlevoix. On est très fiers de représenter notre cégep de 200 étudiants, bien sûr. Donc, on vous présente notre trotteur. On l'a appelé ainsi en hommage à Alexis Lapointe, alias Alexis le trotteur, homme originaire de Charlevoix. Donc, la légende raconte qu'il rivalisait de vitesse avec des drains et même des chevaux. Afin que notre trotteur soit à la hauteur de justement cet homme de légende, on a contacté une digne descendante de Alexis Lapointe. Elle s'appelle Sarah Maud. Paquette. Et elle a dessiné des flammes sur notre robot justement pour qu'il atteigne une vitesse enflammée. On lui a donné cette job-là parce que justement, moi et Tommy, on est vraiment des pioches en dessin. Là. On a juste, à titre d'information, on a manqué couler nos heures de quatre. Oui, mais d'un côté plus sérieux, notre engin tire son énergie de quatre ressorts de trappe à souris, surprenamment, qu'on a alignés et on a reliés à une plaque courbée d'aluminium. Quand on enclenche les trappes, cette plaque d'aluminium vient dérouler du fil de pêche enroulé sur l'essieu, ce qui déclenche nos roues arrière. Oui, là, il y avait un petit problème, il allait trop vite. Fait, dans le fond, on n'a pas eu le choix de le faire tourner pour le ralentir. C'était une option qu'on avait. Donc, on a mis une gigantesque roue en avant, une roue de roller blade, qui permet de le faire tourner. Sinon, la grosse force centripète, la grande force centripète que fournit l'attraction des semelles de notre athlète lui permet d'avoir une trajectoire courbe, justement. On l'a travaillé, cette phrase-là. On l'a travaillé fort, puis je l'ai, encore, je l'ai manqué aussi. Puis pour finir, ben, notre engin est entièrement recyclé, les roues avant, les roues arrière, et même, à part les essieux, puis les trappes à souris. Oui.